you ever felt. Are you listening? Damn. Coucou mes beautés, aujourd'hui je vous retrouve pour mes achats soldés et non soldés de chez Sephora parce que j'ai acheté pas mal de petites choses ces derniers temps et que du coup je vous les avais pas présentées. Donc dans tous les cas, si vous voulez un tuto avec ce que je vais vous montrer, n'hésitez pas à me le dire. Donc on va commencer par les achats non soldés. Effectivement, j'ai craqué pour la palette Cheek Tone de chez Benefit. Donc il y a le Rocateur, le Dallas, le Hoola, le Coralista et le Dent de Lion réunis en une seule palette. Donc je vais vous ouvrir ça. Je vais pas forcément vous faire les swatchs parce que bon, vous les avez vus et revus un peu partout, ces blushs là. Et donc vous pouvez aussi bien aller les swatcher chez Sephora. Comme ça vous aurez un petit peu un aperçu de ce que c'est. Donc voilà, il y a un bronzer un peu plus jaune, il y a un bronzer un peu plus dans les tons rosés, un blush rose et un blush Coralista, donc c'est un corail tout simplement. Et puis le Rocateur, bah alors lui il est magnifique, il est dans les tons un petit peu highlight, il est vraiment super beau. Donc ça voilà, c'était une palette que j'ai payée avec mes moins 25% qui était à la base à 60 je crois, quelque chose comme ça. Elle n'était pas donnée, du coup je voulais pas l'acheter plein pot, donc je l'ai acheté à moins 25. Donc voilà, ensuite toujours à moins 25, la Sweet Peach qui sent bon la pêche. Alors encore mieux, enfin, moi je trouvais pas que les autres sentaient le chocolat du tout, mais alors celle-là, celui qui me dit qu'elle sent pas la pêche, franchement, ah c'est une tuerie, elle sent trop trop bon. Donc voilà les teintes, je vous fais pas non plus les swatchs puisque elle existe un petit peu partout sur le net, donc pour les swatchs vous pourrez les trouver relativement facilement. Après si vous voulez un tuto, ça c'est autre chose, vous pouvez bonnement me le demander. Donc celle-ci était à 53 je crois, et pareil je l'ai mis à moins 25. La chocolate bonbon aussi que j'ai eu à moins 25%, c'est celle de chez Sephora, c'est pas celle de l'autre. Et oui, elle sent le bonbon chocolat. Et celle-là, il me semble que je vous en avais fait un tuto déjà. Donc voilà, pareil, moins 25%. Je vous dis, c'est des choses qui datent un petit peu, mais bon, je n'avais pas eu l'occasion de vous les présenter en vidéo. Donc du coup, chose faite. Ensuite, j'ai acheté la Sleek. C'est la Enchanted Forest. Mais alors, ça a coulé. Je ne sais pas ce qui a coulé dans le packaging. Du coup je vais ouvrir au couteau, ce sera plus pratique parce que sinon je vais galérer à l'ouvrir. Et donc c'est dans les tons c'est à l'occasion de mon, comment dire, du Beauty Cruise de Octoly que je suis passée chez Sephora Gare de l'Est, et du coup j'ai fondu sur cette palette qui est vraiment en termes de couleurs parfaite pour l'automne. Ouais, c'est dommage, on est en été, mais donc ouais, peut-être celle-ci pour l'été avec celle-là, mais sinon oui, de très belles couleurs pour l'automne. Et je l'avais pas vu en vrai, du coup je l'ai swatché, je voulais pas l'acheter sur internet, et puis quand je l'ai swatché, bah j'ai craqué. Et Sleek, ils font des choses très très pigmentées, et sachez quand même que la dernière fois j'avais oublié de vous les montrer lors de ma revue sur toutes mes palettes, mais j'ai quasi toutes les palettes de Sleek en fait. Et c'est dans un autre tiroir, donc j'ai oublié de vous les montrer. Ensuite, j'ai acheté un Moondust. Voilà, donc c'est le Cosmic que je vous avais présenté dans un make-up, vous savez, cabaret pour le concours NYX Award. Donc du coup, voilà. Il est très très joli avec des effets très irisés. Mais bon, il suffit que vous alliez voir la vidéo que j'ai réalisée pour NYX pour vous en rendre compte. Et ensuite, j'ai pris le blush Ervana et toujours avec moins 25%. Alors par contre, leurs pinceaux, ils sont pourris, métier pourri. Ils accrochent la tronche, ils font trop mal. J'aime pas du tout. Et ils donnent ceci. Donc, par contre, celui-là, je vais pouvoir le swatcher puisqu'il est déjà entamé, que les autres ne l'étaient pas. Et en fait, ça vous fait un doux rosé comme ça. Vous le voyez de là, normalement. Un doux rosé. Tout simplement. Et celui-là est vraiment trop trop sympa avec un super, un beau bronzer. Ça rehausse le teint, c'est très très joli. Donc voilà, est-ce que c'était tout? Non, j'ai aussi pris, je ne l'ai pas déballé d'ailleurs. Faut que je l'ouvre. Un Matte Me. Ultra Smooth Matte Lip Cream de chez Sleek aussi. Et c'est le Brink Pink
qui est de cette couleur. Il est extrêmement beau. Alors, je le mets mal, hein, bien sûr. Comme ça, le swatch est beaucoup plus parlant, si tu veux. Plus pratique pour vous de voir. Et voilà. Et quand je l'ai swatché en magasin, alors là, j'ai fondu littéralement pour cette couleur. Alors, quand il fait beau en été, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, mais ce qui a été le cas récemment, il est à tomber. Hop. Et voilà. Donc, il est magnifique. Voilà. Et... je vais voir combien il tient, mais visiblement en magasin, quand j'ai essayé de le retirer, j'y arrivais pas, donc c'est qu'à mon avis, il tient bien. Et il m'a coûté aux alentours de 7 euros, donc 6,95 je crois. Donc voilà ce que ça donne. Et pareil, je crois que c'était moins 25%, mais je suis pas sûre. Je suis vraiment pas sûre de mon coût. Donc est-ce que je l'ai là tout de suite maintenant? Oh non, moins 20, je crois. Maintenant, nous passons à mes achats soldés, parce que oui, il y en a eu, je n'achète pas que avec les codes promo. Donc voilà. J'ai pris la lotion sérum booster d'hydratation. C'est un petit peu une lotion lactée, mais lotion quand même. Mais j'aime bien. Alors après, booster d'hydratation, je ne sais pas. Mais moi, je l'ai bien aimée pour réveiller le matin. Elle est vraiment pas mal. Je l'ai appréciée. Je peux pas vous donner les prix parce qu'il suffit que vous alliez sur Sephora, ils y sont encore et vous pouvez vous les procurer. Parce que ces types de choses-là, en fait, sont toujours en stock. Donc, c'est nickel. Ça, c'est le masque microbulle détoxifiant oxygénant que j'ai pris en 2 exemplaires. Parce que lors de ma précédente commande, je les avais beaucoup, beaucoup, beaucoup aimés. Du coup, j'en ai repris 2. Et c'est un masque, en fait, que vous posez, ça fait un gel d'hydratation. Et c'est en 3 phases, en fait. Ça mousse comme une mousse pour détoxifier. Et ensuite, quand vous repassez les doigts dedans, ça fait une espèce de crème, une crème épaisse pour nettoyer. Et franchement, j'adore. Ensuite, l'huile nourrissante qui fait tout. Je vais essayer de voir si celle-ci, elle sent bon quand même, parce que je l'ai quand même senti. Elle sent bon. Elle sent quoi? Sublime de la tête aux pieds, oui, je me doute. Elle sent, je sais pas, l'huile de baobab, d'accord? L'huile de jojoba, d'accord? Et la vitamine E. Donc, je vais voir si elle ressemble plus ou moins à mon huile de Nuxe. Donc, je verrai bien. Ensuite, la gelée démaquillante yeux, bah oui, parce que je me rappelais pas que dans l'autre, je l'avais acheté déjà. Et en fait, j'en ai repris une. Alors, sachez quand même que celle-là, elle démaquille bof bof. Hein. Donc bon, c'est tout. Au moins, je l'ai, mais elle pique les yeux. Donc, c'est quand même bête pour une gelée démaquillante yeux, votre truc. Ensuite, j'ai pris des lingettes express démaquillantes. Elles étaient à 2 ou 3 euros, je ne sais plus. Et il y en a 25 à l'intérieur, mais en fait, c'est hyper épais. Donc, je pense que il y a de quoi à faire puisqu'elles ont l'air super imbibées. Ensuite, j'ai pris les toutes petites pour mettre dans le sac. Elles ont coûté 1,10€. Et ça, je m'en souviens par contre du prix. Ensuite, j'ai pris le super nettoyant effet chauffant sève d'érable pour l'hiver. Parce que quand on a froid l'hiver et qu'en plus, on n'arrive pas à se réchauffer, ça peut être plutôt pas mal. Donc, est-ce qu'il sent? Je ne sais pas. Je ne l'ai pas ouvert. Et je ne l'ouvrirai certainement pas dans les prochains jours. Ensuite, j'ai pris un shampoing sec pour essayer de voir si au niveau de Baptiste, ça peut concurrencer ou ça peut pas concurrencer Baptiste. Parce que vous savez que ça rentre dans ma routine de low poo system. Ensuite, des masques aux yeux. Masques aux yeux, oui. Des masques pour les yeux au miel pour voir un petit peu si ça peut réhydrater un petit peu ma zone de sécheresse qui est en dessous les yeux. Nourrissant et apaisant. Donc là, il y en a une paire. Pour aller dans la même lignée, j'ai pris le masque au miel de nuit, mais vous savez, en petite capsule comme ça, l'unidose. Donc, une nourrissant apaisant toujours au miel. Ensuite, j'ai pris quoi? J'ai pris le masque sérum lissant revitalisant. Alors, celui-là, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. Je ne l'ai pas testé. Suite au prochain épisode, hein, je pense.
Au collagène. Il est au collagène. Mais c'est pareil, je veux dire, ça m'a turlupiné. Ils étaient à 2, 3 euros. Bon, bah, c'est tout à chaque fois. Non, le sérum, il était un peu plus cher. Le super sérum, lui, il était à 8,90 au lieu de, je sais plus combien, moins 70. Donc, du coup, je l'ai pris. C'est à l'acide glycolique. Donc, pour vous dire que dès que j'aurai fini le sérum C20 et celui de Dr. Brandt à la vitamine C, j'entamerai celui-ci. Et pour l'instant, je verrai bien. Et j'ai pris le Perfectly Clean de Estée Lauder, le triple action, mousse triple action, nettoyante, tonique et démaquillante. Voilà, en format voyage. Au cas où j'ai à me déplacer, c'est plus facile d'avoir ça qui fait triple action dans le sac à main plutôt que des doses d'essai de chaque chose. Et ensuite, j'ai repris la super huile démaquillante parce que oui, je trouve quand même qu'elle démaquille bien. Je vois pas l'intérêt quand on la mouille, elle devient laid pour le visage. Mais elle démaquille bien. Du coup, j'en ai repris une parce que du coup, je me suis dit, bon, bah, c'est tout, je repasse une autre commande. Donc, quitte à ce que je repasse une autre commande, ben, c'est tout, je vais en reprendre une autre parce que je l'avais bien aimée. Et l'avantage, c'est que j'ai tout testé avant de pouvoir vous en parler. Donc voilà. Et puis, ben, pour le reste, c'est des... Je vais faire du bruit. Voilà. Pour le reste, on passe au maquillage. Et donc, j'ai pris la base fixante que j'adore, qui était à 3,90 au lieu de 12 euros quasi, ou elle était passée à 13 peut-être, je crois. C'est la base spéciale paillettes que j'adore, je l'ai déjà, donc ça c'est mon backup. Franchement, pour 3 euros, je vous la conseille énormément. Après, la normale, je ne sais pas, mais alors pour les... Et je croyais avoir commandé une normale, et quand elle est arrivée, que j'ai vu que c'était pour les paillettes, j'étais fin heureuse. Parce que la trouver à ce prix-là, alors que d'habitude je la paye plein pot, j'étais quand même contente. Et puis pour l'heure, n'oubliez pas que la vie est belle en rose. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Gros bisous, ciao. Are you listening?